bien. Tu roules à vive allure. Est-ce que tu sais que je peux t'arrêter pour ça? Il était très sérieux. S'il vous plaît, bougez votre truc de mon chemin, s'il vous plaît. Es-tu fou? Es-tu malade? Tu sais qui je suis? Bianca Richemont, la fille de Chief Richemont. Bouge ton truc de mon chemin. C'est intouchable, oh. Tu ferais mieux de lui dire. Mon cher, laissons la partie. Tais-toi! Personne n'est intouchable. Oh, vraiment? Mais je vais la laisser partir. Ok. Jeune fille, alors écoute-moi. Je ne veux pas savoir qui tu es. Tu n'es pas au-dessus de tout le monde. La prochaine fois que tu poseras encore ta main sur moi, je vais te faire savoir quelles sont les conséquences. Bouge ton truc s'il te plaît de mon chemin. Tu ferais mieux de le bouger. Qu'il disparaisse de ma vie, s'il te plaît. Allons-nous-en. Et il reste là debout. Idiot. Bienvenue. Je vais vous apprêter le bain et la table. Est-ce que tu as oublié que tu dois amener mes chaussures et mon sac dans mon dressing? Désolée. Tu attendais que je te rappelle. Désolée. Est-ce que tu comprends que ce que tu fais là, ce n'est pas bien? Maman, pardonne et commence par. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, maman. Je suis sérieuse. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire à ces gens? Particulièrement à cette bonne. Maman, on doit le mettre à leur place. Je déteste les fainéants. Les gens ne connaissent pas leur boulot, je serai au-dessus. Les gens qui ne respectent pas leur boulot et ils pensent qu'on peut mieux les traiter. Cet enfant, est-ce que cette fille comprend ça? Elle est une fille, elle ne peut pas parler de cette façon. Ce n'est pas bien. J'ai fait ma part, oh. Demoiselle? Salut! Salut, demoiselle! Aïe! Salut! Salut, je suis en train de te parler, s'il te plaît. Tu es malade, n'est-ce pas? Non, je te demande! Non, tu ne connais pas ta classe! Retourne jouer avec tes chèvres, idiot! Tu ne connais plus le chemin de la maison? Madame, il y a une voiture qui est en train de nous filer derrière. La voiture fait quoi? Elle nous file, madame. Depuis quand? Je l'ai remarqué il y a quelques minutes. Il y a 3 minutes passées et tu ne m'as rien dit? Non, madame, je voulais juste confirmer si cette voiture était en train de nous filer. Regarde la condition dans laquelle tu m'as mise. Les gars nous suivent. Va. Prends l'autre direction. Ok, madame. Va vite. Oui, c'est bon, moi. Mais nous les avons perdus. Je ne peux plus le voir dans mon rétroviseur. Bonjour, ma. Bonjour, ma. C'est quoi mon agenda d'aujourd'hui? Vous avez un rendez-vous à 9h du matin. Et puis vous avez une autre réunion avec le MD de Diamond Gaz. À 12h. Merci. J'ai une lettre pour vous. Quoi? Je ne sais pas, il serait mieux de la lire d'abord. Il a dit que c'est pour vous faire connaissance. Et c'est quoi ça? Je n'ai aucune idée. Il a juste déposé.
Es-tu stupide? Non. As-tu tes sens? Tu l'es ou pas? Es-tu malade? Tu veux dire que quelqu'un a donné ça et tu n'as pas demandé? Es-tu malade? Je suis désolée, maman. Je vois comment tu es incompétente. Tu n'aimes plus ton travail. Non, maman, j'aime mon travail. Tais-toi et sors d'ici, tu es virée. Non, pardon, ne me vire pas, pardon. Maman, je ne peux pas te virer. Je vais me renvoyer, pardon. Sors de mon bureau. Pardon. Va-t'en. Désolée, maman, pardon. Tu veux que j'appelle les gars de la sécurité pour toi? Attends. Je ne peux pas perdre ça. S'il vous plaît, maman, je suis désolée. S'il vous plaît, pardon, pardon. Je te mets dans mon bureau, maintenant. Pardon. Elle a mis beaucoup de temps pour rentrer. Elle rentrera bientôt. Mmh. Et comment très bien. Tu te sens? Comment était la réunion? Oh, c'était bien. Bien. Oui. Ok. Bonsoir, papa et maman. Bonsoir. Sois la bienvenue. Comment était ta journée? Maman. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut? Je ne sais pas. Quelqu'un a laissé ça. Quand je revenais du shopping mall aujourd'hui et la personne a laissé cette note. Ah, ça c'est sérieux? Oui. Jésus-Christ. Je dois riposter rapidement. Ah. Georges, tu m'as précipité. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais. Pardon, assieds-toi. Merci, merci, Chief. Seigneur, ce message que tu m'as envoyé, je crois qu'il n'y a pas de problème. Yana, tout ne va pas bien. Quelqu'un veut la tête de ma fille. Il lui a même envoyé une lettre de menace. Vraiment? S'il te plaît, j'aimerais que tu m'envoies l'un de tes meilleurs hommes. Je veux dire, pour protéger ma fille. Je vais forcément recommander l'inspecteur James. C'est un bon élément. Inspecteur James. En fait, j'ai besoin de lui immédiatement. Je le ferai. Bien. Comme d'habitude, je vais t'envoyer quelque chose avant la fin de la journée. Merci beaucoup. Tu es très généreux, Chief. Merci. Merci, merci, merci. Détective James, je te veux dans mon bureau maintenant. Je suis là, monsieur. Assieds-toi. Merci. Je t'ai appelé parce que je veux que tu deviennes le garde du corps de la fille de Jeff Richmond. Quelqu'un en veut à sa vie. Chief, le chief que moi je connais. Oui, Bianca l'homme riche. Pardon, juste bouge ton truc de mon chemin s'il te plaît. Es-tu fou? Es-tu malade? Tu sais qui je suis? Bianca Richmond? Pardon monsieur, je ne saurais pas le faire. Quoi? C'est un ordre. Tu ne peux pas bafouer mon ordre? Je voudrais que tu y ailles dès demain matin. Non vrai monsieur. Tu peux partir. Mmh.
les choses se détériorent. Comment peux-je être garde, inarrogante, impolie et sa manière, tout simplement parce qu'ils ont de l'argent? Veille sur ta bouche, jeune homme. Tu ne peux pas tenir ce genre de propos. De plus, ce n'est pas poli d'insulter une dame. Ça, c'est très violent. Cette fille, c'est une mauvaise nouvelle. Je crois que il y a toujours un bon côté d'une personne, peu importe les mauvais comportements de cette personne. Maman, pas celle-là. Pas celle-là. Oh, ça c'est bien. Mais que penses-tu faire pour le cas de Bianca? Oh, j'ai déjà parlé avec l'OPJ. Bien. Et il a promis d'envoyer quelqu'un pour veiller à sa sécurité. Il envoie d'ici. Hey, papa. Ouais. Oh, désolé, c'est juste parce que... Oui, juste regarde le message qu'il m'a envoyé. Et qui a fait ça? Fais-moi voir. Le même idiot? Oui, la même personne. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Je ne sais pas. Qui est ce bâtard qui continue à envoyer tous ces messages à ma fille? La police doit faire tout pour tomber sur lui. Et quand ils le feront, je vais le corriger. S'il te plaît, contacte-le maintenant. Ils doivent commencer à investiguer immédiatement. Oui, il viendra demain dès les petites heures. Non, papa, je peux prendre soin de moi-même. Je ne suis pas une enfant. Non, ne dis pas ça. Non, moi, je n'ai pas besoin d'un garde du corps. Chérie, ta vie est en danger. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'un garde du corps. Et l'inspecteur a promis d'envoyer l'un de ses meilleurs hommes. Calme-toi, tout ira bien, ok? Prends. Allez, oui. T'inquiète, tout ira bien. C'est bien. Allons manger. Inquiète-tu? Allez, amène les détergents pour nettoyer ici, ok? C'est bon. Allons manger. Viens comme ça. Attention là. Oui. Bianca. Ouais. Voici ton garde du corps, inspecteur James. C'est un bon homme. Un très bon, l'un des meilleurs. Et il est venu par recommandation. Attends. Ce n'est pas le même stupide policier qui a essayé de m'arrêter l'autre jour? Une correction qui vaut la peine. Tu conduisais ta voiture très mal en ce jour-là, mettant ta vie et celle des autres en danger. Oh, c'était peut-être assez pas à toi de me dire comment je dois conduire ma voiture. Attendez une minute. Vous vous êtes déjà rencontrés, vous deux? Oh oui, j'ai une très mauvaise expérience. Je ne veux pas de ces garçons tout près, je n'ai pas besoin des gardes du corps, je peux prendre soin de moi. Très mauvais. Il est là pour te protéger. Et son travail commence maintenant. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Je ne pas me souvenir comme si tu as perdu quelque chose.
Bien, ce n'est pas de ma faute. Si une grosse bébé comme toi n'est pas capable de prendre soin d'elle-même. Vraiment? Arrête! Laisse ma main. N'essaie jamais. Dépose ta main sur moi encore. Et pour maintenant, tu dois faire tout pour garder ta bande. Si tu ne veux pas avoir une autre face de moi. Tu vas payer pour ça. Le gars, vous n'avez pas été à mesure de faire le travail que je vous avais donné. Maintenant, je l'avais le plus tôt possible. Morte ou en vie. Elle a un garde du corps maintenant, monsieur. Que j'en fasse quoi? Nous l'aurons toujours. Maintenant, suivez-moi. Je veux que vous me l'emmeniez le plus tôt possible. Parce que je suis à bout de ma patience. Laissez les boss. Nous allons faire la différence. Vous ferez mieux de le faire. Je ne veux pas d'échec. Oui, boss. Oui, boss. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre ces stupides gardes du corps hors de mon chemin? J'ai une idée. Ayo? Viens dans mon bureau. Madame. Tu es dispensée pour aujourd'hui. Les contacts de ma voiture, s'il te plaît. Madame, qui va vous conduire pour rentrer à la maison? Et qui es-tu pour me questionner? Ayo? Madame. Qui es-tu pour me questionner? Je suis désolé, madame. Pour ça là. Et va-t'en. Ton chauffeur. Tu n'as pas eu le droit de me demander quoi que ce soit. Toi, fais ce que tu veux, ok? Je ne suis là que pour te garder et ne être que ton chauffeur. Moi, encore bénéficier de tout ça de toi. Maintenant, laisse-moi te rappeler que tu travailles pour moi et tu dois faire ce que je dis. Conduis. Tu feras mes appels à ton chauffeur pour te conduire. Parce que moi, je ne te conduirai pas. Ok. Je veux conduire. Mais tu connais très bien comment je me comporte. Je serais contente de te tuer. Je veux conduire. Pardon, tu peux le redire encore? Je veux conduire. Tu es censé m'ouvrir la portière. Jeune fille, voici me dire là où nous allons.
depuis qu'on a commencé à voler. Je veux dire, depuis que je conduisais jusqu'à maintenant et je ne sais même pas où est-ce que nous allons. Est-ce que tu me considères comme ton jouet? Je crois que tu es en train de me frustrer ici. Tu sais quoi? J'abandonne. Tu dois me protéger. Oui, c'est ce que je compte faire, mais tu m'empêches de le faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me tue ou quoi? En effet, j'abandonne. Tu ne peux pas. Tu vas conduire. Je ne conduis pas. Conduis. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas là. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Je n'ai fait que mon travail. Oui, je sais. Ah, tu as dit que tu allais me quitter avant que le gars ne tire. S'il te plaît, ne quitte pas. J'ai besoin de toi, pardon. Pardon. James. Bianca, maman, c'est quoi le problème? Est-ce que ça va? Ça va, c'est quoi le problème? Quelqu'un veut vraiment mettre fin à mes jours. Oh, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un essaie de me tuer. Quoi? Et si ce n'était pas l'intervention du détective James? On m'aurait tiré dessus. Mais ça devient sérieux, ça. Je pense que quelque chose doit être fait le plus vite possible. Oui. Donnez-moi une minute, je vais passer un coup de fil. C'était bluffé, ça. C'est fut une mauvaise expérience. À quoi profite? Oui. Sans effet. Il conduisait... Et derrière James, et les gars est venu juste derrière nous et il a essayé de tirer. Oui, George. Il y a un assassin qui a voulu faire atteinte à la vie de ma fille ce soir. Oui, je pense que ce brigand doit être arrêté. Ma fille ne peut pas vivre sa vie en insécurité. Oui, pardon, fais quelque chose à propos. Merci. J'ai venu de passer un coup de fil à l'OPJ. Je sais qu'ils vont faire quelque chose. Ça devient sérieux. Alors, comment c'était? Ça n'a pas été fait, boss. Il y a un connard qui l'avait poussé. Ce n'est que de conneries! De conneries! Des conneries, je dis! Ce n'est que de conneries! Tout ce que vous savez faire, c'est échouer! Tout ce que vous savez faire, c'est échouer. Je m'en fiche de... Boss, quand on a tiré ses centres enfouis, ce type James est très bon. Et c'est difficile d'avoir Bianca. Cette fille est toujours avec lui. Je pense que nous devons faire quelque chose pour que nous réussissions. Je m'en fous de... cette détective ou je ne sais quoi. Maintenant, écoutez-moi. Je veux que vous connaissiez tout lui concernant. S'il a de la... Où est-ce qu'il mange? Mère, fils, fille. Où est-ce qu'il mange? Où est-ce qu'il dort? Où est-ce qu'il défèque? J'ai besoin de ces informations le plus tôt possible. Merde! Oui, boss, ça sera fait, boss. Prenez vos affaires, allez-y, mettez vos services. Merde!
l'avais entre mes mains, je l'aurais étranglé. Salut. Bienvenue, fils. Merci, maman. Sois le bienvenu. Merci, maman. Alors, comment c'était aujourd'hui? Oh, maman. Très chargé. Je sais. Je préparais ton repas favori. Wow, merci, maman. Mais je mangerai plus tard, pardon. James. James, tu travailles beaucoup. Tu ne fais que travailler. Tu n'as pas de temps pour te récréer, ni le temps pour la vie sociale. Maman, pardon. Pardon, tu ne le feras pas encore. Et comme tu sors tous les jours, je me demande si tu penses même m'amener une femme ici pour le mariage. Maman. Maman, pardon. Je te demande pardon. Tu sais, je n'ai pas la force pour ça. Parlons, nous parlerons de ça à un autre moment. James, tu n'es plus un petit garçon. Maintenant, tous tes collègues s'y marient. Ah, je sais. Tous mes amis sont en train de se marier. Et ils commencent à avoir tous des enfants. Maman, quand le temps viendra, ou quand je serai à mes yeux, je veux me marier. Mais pour le moment, laisse-moi être comme ça. Bien, laisse-moi prendre pour toi les repas. Tu dois manger parce que tu as beaucoup travaillé. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Vraiment? Après tout ce qui s'est passé hier? Oh, pardonnez-moi hors de ça, s'il te plaît. Je peux voir que tu as peur. Je n'ai jamais su que tu pouvais être autant effrayée comme une toute petite fille. Tais-toi et occupe-toi de tes affaires. Fais donc pourquoi tu es là. C'est ça. Ça, c'est la première Bianca que je connais. J'espère que tu sais que je peux te virer la minute qui suit. J'espère que tu sais. Tu as peur? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. J'aurais appris qu'on a tenté d'assassiner la fille de Bianca. Oui, monsieur. On doit l'interroger. J'ose croire qu'elle doit forcément connaître la personne qui en veut à sa vie. C'est ça, monsieur. Nous devons y entrer en profondeur. D'accord, monsieur. Tu as fait un bon travail de la protéger. Merci beaucoup, monsieur. Tu peux partir. Merci, monsieur. Attends, je te rappelle. Je te rappelle. Salut. Je pense t'aurais dit de ne plus venir. Bien, je ne suis pas venu me battre. Je viens dans la paix. Bien, je voudrais juste te poser quelques questions et je crois que tu seras galante pour me répondre. Mais c'est quoi ces stupides questions? Pouvons-nous nous asseoir? Tel que je viens de le dire, je voudrais que tu sois coopérative et réponds-moi. Pardon, vas-y. As-tu des ennemis? Bien, je n'ai pas d'amis, alors je ne peux connaître mes ennemis. Ça pourrait être des gens qui travaillaient pour moi que j'ai chassé. Et pourquoi ça? Parce que ça n'a pas de sens. Et j'ai hais les incompétents. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui te hait jusqu'au niveau de vouloir à ta vie? Tout le monde qui aura l'opportunité pour me faire du mal. Oh, à part cette menace d'une source inconnue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'en vouloir? Mon ex. Et
On a eu une très mauvaise rupture. Il m'a supplié qu'on se réconcilie, mais je lui ai dit qu'on reste amis. Et il m'a promis de me rendre la vie difficile. Alors, où est-il maintenant? En dehors du pays. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Excuse-moi. Monsieur, il sera très difficile d'avoir une coopération. Elle a dit qu'elle avait un ennemi. Connais-tu son nom? C'est son ex. Toutefois, elle a dit qu'il était en dehors de la ville. Je réfléchis. Il se peut qu'il soit rentré et qu'elle ne soit pas au courant. Tu dois mener tes enquêtes. Ok, je vais le faire, monsieur. Je vais aussi investiguer quelques autres personnes. Et je crois fortement que celui qui est en train de faire ça est un proche. Et il tire des informations d'une source très proche. Et il paraît connaître tous ses mouvements. Je le pense aussi comme ça. Ah, maman, tu sembles vraiment fatiguée. James, je pensais que tu allais rentrer à la maison en temps aujourd'hui. Je suis désolé, maman. J'avais beaucoup à faire au travail aujourd'hui. Je t'avais dit qu'on avait essayé d'attenter la fille de M. Richmond. Et à partir de ce moment-là, je devais la protéger, elle et moi. Ok. C'est bon, fils. Maman, je pense que je dois t'amener à l'hôpital. Pardon. Je suis déjà en train de suivre un traitement. Je bois déjà des médicaments. Maman, tu sais, je ne fais pas confiance à cette automédication. Pardon. Ok. Je t'ai écouté. Pourquoi ne pas partir là-bas à l'intérieur? Que tu as été reposé pendant que je garde la maison. Maman, pourquoi tu ne vas pas seulement à l'intérieur? Lève-toi, tu vas aller te reposer à l'intérieur, c'est bon. C'est bon. Tu peux aller à l'intérieur, je viens de te donner ça moi-même. Désolé. Tout ira bien. C'est bon. Bonne nuit. Bien, bonne nuit, maman. Je vais te voir quand tu vas te réveiller. Es-tu sûr que ton ex n'est pas dans la ville? Non, il a voyagé au début de cette année aux États-Unis. C'est quoi son nom? Maurice. Maurice Aditola. Ok, excuse-moi. Excuse-moi. Allô, maman? Tout va bien? Oui, c'est presque fini, madame. Qu'y a-t-il encore? Ok, je vais t'amener à l'hôpital aussitôt que je serai de retour. Tout va bien? Oui. Tu veux amener ta maman quelque part à l'hôpital? Maintenant, je travaille. Non, c'est bon, on peut la prendre quand le mécanicien aurait fini avec ma voiture. Je suis bien, je vais bien. Oui, j'insiste. On va l'amener à l'hôpital. Donne ton adresse au chauffeur. On va aller là-bas. On finit vite. On va aller chez lui. J'ai déjà fini. Ok. Oui. Ok, c'est bon. On peut partir.
Entrez. Peux-tu t'asseoir? Maman. Maman. Pardon, lève-toi, laisse-moi t'amener à l'hôpital. Pardon. James. Maman. Tu es rentré aujourd'hui à temps. Oui, maman. Je veux que tu ailles me chercher quelques médicaments à la pharmacie. Je ne vais pas aller à l'hôpital. Je ne vais pas être hospitalisée. Maman. Maman, c'est pour ton bien. L'automédication n'est pas une bonne idée, vraiment. Allons à l'hôpital. Ok, je vais aller. Pour toi, je vais aller. Merci. De rien. Ok, très bien. Maman, laisse-moi t'aider. Lève-toi. Lève-toi calmement, nous allons partir. Non, c'est bon. Ma fille, sois la bienvenue. Merci, bon. Maman. Désolée. Maman, pourquoi tu avais refusé qu'on t'amène à l'hôpital aujourd'hui? James, ma condition était vraiment sérieuse. D'ailleurs, tu sais bien que je n'aime pas l'hôpital. Je n'aime pas l'environnement de l'hôpital. Je vais aller bien avec les injections et les médicaments, ok? Ça ira. Maman, je... Pardon, je vais te supplier pour une chose. Je te conseille de prendre tes médicaments comme la prescription a été faite par les docteurs. Je vais les prendre définitivement. Dis-moi un peu. La fille avec qui vous êtes venue cet après-midi, elle est la fille de cet homme riche? Oui, maman. Ah. Elle n'a pas l'air arrogant ou de prostituée. Dis-moi, pourquoi même tu l'as appelée? Maman, dis-moi ce que toi tu avais sortir en elle. Je pense que je l'aime. Elle est jolie. Oui, je l'aime beaucoup. Maman, tu ne connais même pas cette fille. Quand tu verras sa face cachée, tu verras ce que je vais dire. Je veux dire, elle est gentille. Oui, elle est jolie. Ça, c'est son bon côté. Écoute, fils. Il faut toujours rester sur le côté positif des gens. Et non voir seulement leur mauvais côté. Cette fille est parfaite, ok? Alors prends-la avec toi. Sois toujours belle. laisse-moi voir. Des infos? Boss, Steve sait qui est sa maman. Et il a ses infos. Alors est-ce qu'on sait là où elle habite? Bien sûr, boss. Ça, c'est une très bonne information. Tu sais à quoi je pense? Ça sera difficile pour la voir. Je m'en fiche que ce soit difficile ou facile. Vous devez l'avoir. Je ne vais pas d'erreur cette fois-ci. Ouais, oui, boss. Chérie, es-tu sûr que tu n'as pas besoin de rester avec nous ici? Papa, vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire au bureau. J'aimerais être avec vous. Ah, par ailleurs, on va s'appeler de temps en temps, ok? Jusqu'à ce que tu sois libre. Je vais vous rejoindre. Ok. Oui, papa. Très bien. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Oh, ma chérie, tu vas beaucoup manquer.
Rassure-toi, je vais venir. Ça va? Tu n'iras pas au boulot aujourd'hui? Non, non, je ne me sens pas bien. Tu aurais dû me le dire, ça m'aurait permis de me reposer. Je ne comprends pas. Tu es supposé me protéger que j'aille au travail ou pas? Je crois que cette maison est en sécurité. Et je ne pense pas que tu as besoin de moi où que tu sois. En fait, comment va ta maman? Elle va bien. Bien. Elle m'a dit que tu étais une bonne fille. J'aurais voulu qu'elle soit ici pour voir combien tu te ressembles à une pute. N'essaie jamais de me comparer avec une pute. Jamais. Mais c'est la vérité. Bien que je commence à avoir quelques changements en toi, mais ton côté de prostituée demeure toujours en toi. J'ai choisi de t'interdire. Laisse-moi, mère. Tu me fais du mal. Laisse. Voilà. Viens ici. N'essaie jamais, jamais de lever ta main sur moi encore. Tu manques le respect. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Chose. Oui, je veux juste un... Donne-moi de l'eau. Non, non, laisse, je vais la prendre moi-même. Ouais. Ok. Oui, c'est bon. Ça va? Oui, je vais bien. Ok. Ah, waouh. Maintenant, elle peut se servir de choses elle-même. Qu'est-ce qui peut bien la changer comme ça? Ça. Bianca, je suis désolé. Je ne veux pas en parler. Je sais que tu vas commencer à m'éviter. Je vais commencer à t'éviter pourquoi? Dans ma propre maison? Pourquoi t'éviterais-je? Comme je dis, je suis désolé. Je n'ai pas pu résister à ton charme. Je ne sais pas ce qui te passe dans la tête parce que toi, tu n'es pas de mon niveau. Oh oui. Si je disais que tu étais pute maintenant, tu ne le refuseras pas, je pense. Tu sais que tu es la seule personne qui me parle sans peur. Et si ça ne tenait pas à mon père, je t'aurais déjà viré. Va-t'en. C'est quoi ça? Je pense que si tu n'as plus besoin de mes services, tu ferais mieux de me le dire. Je vais démissionner. Je pense qu'on te trouvera quelqu'un d'autre pour te protéger. Je ne veux pas que tu partes. Je sors un peu tard aujourd'hui. Reste là.
Allô? Tu penses que tu peux t'échapper à cause de la couverture de l'insécurité? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux de moi? Tu es en vie. Je vais te détruire, comme tu m'as détruit beaucoup d'autres. Je t'aurai très bientôt. Même avec cette protection, je vais te détruire. Regarde, tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire. Je n'ai rien qui t'appartient, mais pourquoi tu me déranges? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Qu'y a-t-il? Je t'ai entendu crier. Oui. Comme si quelqu'un t'avait attaqué. Non, il vient juste de m'appeler. J'ai peur qu'il puisse me capturer. J'ai peur que tu m'aies laissé m'attraper. Non. Il ne t'aura pas. Je suis là pour te protéger, ok? Ils ne t'auront pas. J'ai peur et tu dois me promettre quelque chose. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien qui doit t'effrayer, ok? Tu es sous protection. Non, j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Je ne peux pas rester seule la nuit. Tu peux rester avec moi, juste pour aujourd'hui. Pardon. Pardon. Ok. Je serai là-bas dehors. Ok. Tu n'es pas seule. Tu n'as aucune chose à avoir peur. Je vais toujours te protéger. Il y a la sécurité dans cette maison. Ils ne peuvent pas venir ici. Sens-toi bien, ok? Ok. Excuse-moi. Salut, madame, de la part de ton fils James. C'est vrai? Oh, oui, maman. S'il vous plaît, entrez à la maison. Merci. Bienvenue. Oh, s'il vous plaît, mettez-vous. Oh, merci. Ok. Madame, ton fils nous a envoyé pour venir te récupérer. Il a dit, cette place n'est plus propice pour toi encore. Oh, mais mon fils aurait dû m'appeler. Je suis navré, il est occupé, il ne pouvait le faire, c'est pourquoi il nous envoie. Ok, dans ce cas, laissez-moi prendre mon téléphone. Je ne pense pas ainsi. Viens avec nous, ou encore, je vais sortir ton cerveau dehors, et tu seras là pour voir ton propre sang. Ok, calmez-vous. Calmez-vous, ok? Je vais aller avec vous. Je prends mes clés. Madame, bouge. Oh, où sont mes clés? Madame. Quelle sorte de rêve? Mais qu'est-ce que je viens de faire dans mon passé? Et pourquoi ils ont veillé à ma tête? Dieu, j'ai peur. J'ai peur, Dieu. Thank you.
pourquoi tu ne dors pas? Je ne dors pas bien la nuit. Pourquoi te réveilles-tu? Je ne peux pas dormir. Je fais un cauchemar dans lequel j'étais capturée. Personne ne va te capturer. Mais... Je te promets. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Je n'ai plus de paix dans mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut me menacer jusqu'à ce point. Tu sais quoi? Je voudrais que tu mettes tes pensées au frais. Je ne peux pas. S'il te plaît, promets-moi que tu ne me laisseras pas tomber. Pardon. Je ne le ferai pas. Je te promets. Personne ne t'aura. Je vais te protéger toute ma vie. Merci. Je t'en prie. Après tous ces vacarmes, je dois dormir. Ok? Tu es sûr que tu ne veux pas rentrer en non, chambre? Non, non, ça va aller, ça va aller. Maman. Maman, je suis là. Maman. Où est-ce que ma maman est partie ce matin? Allô? Je cherche ta maman. Nous sommes avec elle ici. Laissez ma maman maintenant. Vous êtes fou? Si tu veux voir ta maman en vie, amène-nous cette fille ici. Ou encore, tu auras le corps de ta maman inerte. Maintenant, écoutez-moi. Relâchez ma maman maintenant. Je ne pense pas que vous connaissez qui. Il m'a raccroché au nez. Pour ma maman, je vais vous trouver et je vais vous tuer. Là, monsieur. T'as-t-elle parlé de son ex? Oui, mais elle a dit qu'elle ne connaissait aucune chose à propos de ça. Un autre suspect? Pas encore jusque-là. Mais je suis rentré à la maison et je n'ai pas trouvé ma maman. J'ai reçu un appel téléphonique. Ils m'ont dit que si je n'amenais pas Bianca, ils vont envoyer le corps de ma mère où se retrouvent ses aïeux. Tu ne crois pas qu'ils vont le faire, n'est-ce pas? Messieurs, avec tout le respect, c'est de la vie de ma maman que nous parlons. Mais c'est ton travail de protéger Bianca. Messieurs, je t'avais dit que je ne le voulais pas depuis le départ. Si j'ai perdu ma maman, je ne vais jamais me pardonner. Rien n'arrivera à ta maman. Nous essaierons de les avoir. Mais à présent, agis comme un homme et laisse-moi, je vais te recontacter encore. Ok, monsieur. Pourquoi ce gars n'est pas là? Inspecteur James, tu es en retard. Ma maman a été kidnappée. Et il veut de toi pour la relâcher. Est-ce que tu veux m'amener à eux? Maintenant,
Je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Ma mère ne se sent d'abord pas bien. Sans quoi, je sais qu'elle ne sera pas capable de survivre là-bas. Ok. Amène-moi à eux. Oui, amène-moi à ces gens. Comme ça, je saurai pourquoi ces gens veulent ma mort. Si tu ne m'amènes pas à eux, ils vont tuer ta maman. Tu sais quoi? Pardon. Reste à la maison. Ne va nulle part. Je vais revenir. Comment ça se passe? Oui, je suis sur ça. Et, pardon, c'est et. Allô? Tu n'es pas prêt pour nous amener cette fille. Tu veux que nous puissions tuer ta mère? Non, pardon. Ne touchez pas ma maman. Je vais vous l'amener. Ça, c'est ce que tu devais faire. Le plus tôt sera le mieux. Je t'enverrai l'adresse d'où tu vas la déposer. Ok, mais... Pardon, je voudrais être sûr que ma mère va bien. Je vais t'envoyer une vidéo de ta mère, tu vas voir. Ah, je les ai enregistrés. J'ai perdu les signaux. Tu les as perdus? Je n'ai pas pu avoir la localisation exacte, mais... Je pense que c'est quelque part dans Maryland. Oh Dieu. Et tu sais quoi, je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à ma mère. Attendons la vidéo. Nous allons les traquer. Nous connaîtrons leur position exacte. Je l'espère. Ouais, est-ce que tu as déjà reçu l'adresse que je t'ai envoyée? Maintenant, tu dois faire tout pour m'amener cette fille Bianca, ou ta mère mourra. Je vais t'envoyer sa vidéo. Faisons une vidéo qui montre la souffrance de sa mère. Il en a besoin. Voyons. Mange, mange. Mange, ouvre la bouche, mange. ouvre la bouche. Donne-la à lui. mange. relève-toi. Mange, relève-toi. Mange. Je ne peux pas manger. Ça c'est très bien. Ok. Laisse-moi envoyer la vidéo. La vidéo est envoyée. Confirme, nous devons en être sûrs. C'est envoyé. Continue comme ça, mon cher frère. Je te vois conduire vers chez nous. Je crois que tu n'es pas avec la police. Surtout ne te moque pas de moi. Non. Je ne peux pas regarder ça. Ok. Il appelle. Euh.
espèce de bâtard. Il a su que j'allais à la police. Je vais le traquer. Tu as raison. Tu sais quoi? Je veux que tu analyses profondément cette vidéo. On peut savoir où ils sont. Oui, monsieur. Je l'aurai, cette île. Je suis d'accord avec toi. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il veut que je t'amène à eux. Si je veux que ma maman me soit retournée. Merde! Merde! Amène-moi à eux. Es-tu sérieuse dans ce que tu dis? Oui. D'ailleurs, ça serait la meilleure chose pour en finir avec ces choses dans ma vie. Présentement, je vois que tu es une bonne fille. Tu parais mauvaise à l'extérieur, mais tu es bonne intérieurement. Juste, amène-moi à elle. Je ne veux pas qu'il fasse du mal à ta mère à cause de moi. Juste, excuse-moi. Tu sais quoi? Rentre simplement au bureau. Tu sais quoi faire? Oui, monsieur. Je pense qu'ils sont là. Nous devons dire au boss. Passe-lui un appel. Ok. Boss, il est venu avec la fille. Qu'est-ce que nous faisons? Ok, boss. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous devrions nous en occuper et faire en sorte qu'il n'y ait aucune erreur. Tu as compris? Passe-moi le téléphone. Ouais, prends-le. Juste va-t'en. Es-tu sûr que tu veux faire ça? Oui. C'est bon maintenant. Je suis là déjà, je ne vais pas y retourner. Ouais. Écoute-moi. Laisse la fille et mets-toi à l'écart. Pourquoi veux-tu que je la laisse? Où est ma maman? Et comment je serai sûr que tu vas me la rendre? Je dis laisse la fille et mets-toi à l'écart. Entre dans ta voiture et conduis. Fais quelques pas en avant. Ta mère t'attend. Tu m'as entendu? Quoi? Juste... Juste va. Allons-y.
pardon. Ok, ok, c'est bon. Carl? Je suis content que tu m'aies reconnu. Pardon, pardon, pardon. 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 Carl. Carl, je sais pas pourquoi je veux ma mort. Pourquoi je t'ai vu morte? Ok. Laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as ruiné moi. Ma famille. Tu as ruiné toutes choses. Ah. Tu m'as viré. Tu m'as envoyé en tôle. Tu as foutu ma carrière en l'air. Carl, je n'étais pas envoyé en prison. Tu avais commis une offense et la cour t'avait tenu pour responsable. Ce n'était pas moi. Ma femme m'a laissé avec mes enfants. Quand j'étais en tôle. Et chaque jour, je planifiais de me venger. De prendre ma revanche. Et aussitôt que je suis sorti, j'ai juré que j'allais te le faire payer. Carl, pardon. Je t'en prie, tu penses que si tu me tuais, ce serait la meilleure option? Oui. Carl, pardon. Te tuer serait un service que j'aurais rendu à toi. Carl, pardon, arrête, non. Je vais te tuer aujourd'hui. Carl, pardon, je suis désolée. Tu es méchante. Tu es vraiment méchante. Tout ce que tu sais faire, c'est voler la vie des gens. Pardon. Maintenant, il est temps que je te paie en retour. Carl, pardon. Je t'en prie, Carl, pardon. Je t'en prie, Carl, pardon. Pardon. Tu vas fermer ta gueule. Juste dis-moi quel est ton dernier souhait. Carl, pardon. Boss. Shit.